Chers internautes, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Église Meta TV. Nous sommes ici pour vous parler de la cérémonie de baptême des chrétiens de l'Église ministère du temps des apôtres. Donc, cette cérémonie aura deux phases. Nous allons d'abord commencer par le baptême par immersion et puis nous allons terminer par le baptême du Saint-Esprit. Donc, commençons par le baptême par immersion. Thank you.
Maintenant procéder par le baptême dans le Saint-Esprit. Oh,
plus puissant que ça. Plus puissant que ça. Sois débordé de la puissance du Saint-Esprit. Sois débordé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non seulement non seulement ça qu'on retenir. Barrière ça va briser. Sainte Come on!
Pour son esprit qui a été vraiment là, qui nous a assisté dans ce service. Bénissons-le qui a rendu possible ces moments, qui a fait en sorte que tout se déroule à nos côtés. Bénissons-le au nom de Jésus. Tu nous as fait du bien. Tu nous as assisté dans ta puissance. Tu nous as assisté au moyen de ton esprit. Tu as marqué ce service de baptême de tes diverses grâces, de tes dons spirituels. Tu as marqué ces instants, tu as libéré les dons spirituels. Merci. Continue à alimenter cette atmosphère dans la vie de tout un chacun. Fais en sorte que ton peuple soit rafraîchi. Chacun dans son élan de marche avec toi, chacun de ses dons et grâces, chacun dans ses dons spirituels. Merci de nous raccompagner en paix. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire au milieu de nous. Merci pour, ton esprit qui a agi puissamment parmi nous. Merci pour tes promesses. Merci pour ta parole qui s'est accomplie. Oh, littéralement au milieu de nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame la journaliste. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Nous voulons savoir, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont vos impressions? Mes impressions ne peuvent être naturellement que de joie et de satisfaction pour l'acte divin que nous venons d'accomplir pour ce sacrement. Et donc... sachant que le plus grand miracle qui arrive dans la vie d'une personne, c'est la conversion. Donc, quand nous voyons
de multiples personnes donner leur vie à Jésus et accepter de passer par les eaux du baptême. Et nous bénissons grandement Dieu pour ses merveilles, pour son action salvatrice qui s'est accomplie grandement dans la vie de ses enfants. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. Un mot aux personnes qui souhaiteront se faire baptiser dans les jours à venir. Oui, pour tous ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo et qui n'ont pas encore pris la noble décision de donner leur vie au Seigneur, nous leur demandons avec tout l'empressement possible, pour ne pas dire tout l'amour possible, toute la gentillesse possible, de donner leur vie à Jésus, parce que c'est le plus grand choix que la personne puisse faire durant son existence sur la terre, parce que une chose est indéniable, c'est que pour tout celui-là qui n'aura pas donné sa vie à Jésus-Christ, après sa mort, en résulte que la personne va connaître le châtiment éternel, pour ne pas dire aller à la perdition éternelle, en enfer. Et ça, c'est une vérité au-delà de tous les débats possibles que les gens peuvent faire, théologiques et autres. Ça reste une vérité absolue et inaliénable. Il n'y a que Christ qui est le sauveur pourvu par Dieu à l'humanité pécheresse pour effectivement amener les gens au ciel. Donc, quiconque aura justement tombé, n'est-ce pas, aura reçu cette grâce de la part du Seigneur de nous suivre à travers cette vidéo. En tout cas, nous demandons aux uns aux autres de faire vraiment, de faire le bon choix de recevoir le Christ et puis éventuellement d'accepter de se faire baptiser. Et pour terminer, je crois que les uns les autres qui vont visualiser la vidéo jusqu'à la fin, ils vont constater comment le Saint-Esprit a été à l'œuvre pour accomplir justement les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit et tout. Donc, et ça, c'est aussi un des bénéfices, un des privilèges que Dieu donne justement à ses enfants pour avoir cet outil de communication et purement divine, un outil purement divin pour communiquer avec lui. Et donc ça, et nous sommes prêts et disposés à aider tous les enfants de Dieu qui sont épris, pour ne pas dire qui aspirent justement, soit à passer par des autres baptêmes, mais aussi à faire l'expérience de parler des nouvelles langues. Et je crois qu'on est là pour les accompagner. Merci. Frère, vous avez été baptisé, nous voulons savoir quelles sont vos impressions. Bon, en ce qui concerne mes impressions, je rends grâce à Dieu pour ce beau moment. C'est un jour spécial pour moi. Et voilà. Oui. Tu comptes respecter cet engagement? Oui, je compte respecter cela. Et avec l'aide de Dieu, en tout cas, ça va aller. Ça veut dire que ce que tu faisais auparavant, tu ne le feras plus? Non. J'abandonne cela. C'est le vieil homme, en fait. Voilà. Donc, on abandonne ça et on est maintenant avec Dieu. Voilà. Chers internautes, nous sommes donc à la fin de notre cérémonie qui a été sanctionnée par une série d'interviews. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker nos vidéos et surtout connectez-vous à la chaîne YouTube Église Meta TV. À la prochaine occasion.